Est-ce que ce souterrain est vraiment le souterrain que nous cherchons? Alors, je sais Ouais, qu'il je y a suis des pas sûre. larves, mais je Ah! me moque des larves. Du coup, je vais peut-être remonter, moi, parce que. Je sais pas si tu comptes redescendre. Bah, du coup, non, puisque je me suis lamentablement plantée. Je suis Donc, perdu. bah, franchement, TP-toi si t'es perdu. Oui, c'est ce que j'allais faire de toute façon. Mais je voulais explorer un tout petit peu, histoire de voir s'il y a le fameux coffre mystérieux. Ce coffre trésor. Bah, ça se trouve, il est peut-être moins perdu qu'on ne le pense. Il est Hein. peut-être à la surface, ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est une Ouch! possibilité Ça va, ouais. à envisager. On leur fait tellement mal maintenant. Ouais. Avant, on se faisait massacrer, maintenant c'est l'inverse. Il y a une autre mine là-bas. Ouais, on peut aller voir si jamais il y a effectivement un autre coffre. Ah, attends, il y a un coffre à la surface là. Hein? Où ça? Regarde. Gardé par ce grunt. Ah, en effet. Qui tape vraiment de façon très faiblarde. Oh yeah! Attends, est-ce qu'on l'aurait pas... Un Attends une but minute, de est-ce qu'on l'aurait pas football! chopé le machin parce que la quête a disparu? Oui, on l'a chopé, c'était ça. T'as récupéré quoi? C'était celui-là? Ouais, c'est ça. Alors attends. Attends, je regarde. Nous avons eu parchemin de soins. Mais en fait, on a tout un tas de conneries là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tout un tas de Regarde, conneries. regarde. Mais c'est un but de football. Quoi? Comment ça, c'est un but de football? Moi, je vois une cible avec. J'ai un arc, je tire! Ça s'appelle but de football. Attends, quoi? Attends, vas-y. Ah oui, d'accord, attends, vas-y, recasse-le. Attends. J'ai le ballon! Ouais, vas-y. Ouais! C'est tellement violent, quoi. But! Goal! Bon, ça fait football américain quand même, hein. Wow! Ah, attends, il est passé où? Oh, ça... Attends, je vais le chercher. Je vais le chercher. T'as tapé dedans, Bah, c'est t'es ça? fait poursuivre par des tortues! Hey! Si vous voulez jouer, demandez-nous gentiment. On dira oui. J'adore parce que... Oh la vache. Oh, j'ai failli le perdre. Mais comment on le récupère du coup? Attends. Ah, c'est parce que tu peux pas le casser? Bah non. Même avec des attaques à distance? Bah ouais. Non, à chaque fois ça me le rebalance. Attends, comment on l'a récupéré la première fois? J'en sais rien. Waouh, alors c'est magistral parce que tu tapes tout le temps à côté. Comment faire pour extraire cette chose? Attends. À la fourreuse. Attends, à la main Même peut-être? pas. Bah non, même à la main. Non, à la main ça Ah ou. fonctionne évidemment. À la pioche. Ah oui, What? d'accord. Non, c'est pire, arrête, stop! Je suis en train d'enterrer notre ballon. Ah, aïe, mais punaise! Qu'est-ce que... Ouch! Attends, je vais dégager un passage. Alors, aujourd'hui, on a fait quoi? Squeaky, aide-moi! On a Espèce trouvé de un. lâche! Aujourd'hui, on a trouvé un masque légendaire. On a détruit des sarcophages à la foreuse. On C'est a ça? ensuite négocié avec le chef d'une secte pour qu'il nous remette une relique. On a chassé des singes la nuit dans une plaine. Oh, Bref, c'était dans des des prairies plutôt. montagnes. Des prairies, oui, peu importe, on s'en fout. Et nous sommes en train de jouer au football. On sait comment récupérer notre but. Mais on ne sait pas comment récupérer le ballon. Ah, il est quand même. Attends, c'est que t'as recreusé? Non, non. J'essaie juste de dégager un passage. Ça va, je fais ce que je peux. Non, le chat, tu peux dégager s'il te plaît. Il y a mon chat qui me nargue. T'inquiète pas, mon rat fait la même chose. Bah, il est où? On a des animaux ingrats. Attends, il est Non, où? mais il faut encore. Il Attends, est où il est le où le ballon? ballon? Oui, c'est la question que je pose, il est où? Il est pas dans mon inventaire. J'aurais réussi à le balancer en l'air. Qu'est-ce que. Ah, il est là, il est en haut. What? Il est en haut. D'une façon fort surprenante, j'ai dû réussir à le balancer en l'air.
Alors attends du coup. Laisse-moi combler ceci. Et si on ceci. Balance dans le but, ça fait quoi? Ça détruit le but. Ça détruit le but. Alors, quête du jour, épisode, comment récupérer le ballon de foot? Faut sauter dessus. Non? Non. J'ai une idée. J'ai une idée, attends. Bouge pas, bouge pas. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire? Bouge pas. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais ça peut fonctionner. Alors attends. C'est-à-dire? Je vais te faire une passe. Ah, faire une passe! Alors attends. Attends, hop. Oh, je l'ai bien balancé là. Attends, voilà. Mais il attends. Est où? Je me attends, il est juste à côté de toi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Ah. Attends, non. Attends. Rapproche-toi un tout petit peu, mais pas trop. Alors attends. Je pense que récupérer c'est bon là. Récupérer ballon. Ah non, je le balance beaucoup trop loin. Hein. Eh monsieur, monsieur là-bas, vous là, oui là. Vers votre massue, monsieur le vert, monsieur en vert là. Monsieur le vert, c'est pas un vert, c'est juste qu'il monsieur y a deux couleurs. Vert. C'est juste que la couleur de sa peau est verte. Voilà, c'est le vert, la couleur de sa peau. Il est vert quoi. Non. Oh quel débile. Où est-ce qu'il est? Ah non, pas encore. Désolé. Alors tu sais comment récupérer un ballon ou pas? Bah attends, je suis en train de chercher. C'est triste hein. Est-ce qu'on en a d'autres à la maison? Bah je sais pas, je crois que t'en avais récupéré un, mais je sais pas ce que tu en as fait. Il me semble que je l'ai mis dans un coffre. Bon, dans le pire des cas, on sait qu'il est là. Oui, c'est ça. Et bah nulle part il n'est mentionné la présence d'un quelconque ballon de football américain. Donc ça veut dire que les gens n'en ont pas récupéré tant que ça. Bon écoute, c'est pas très grave. Est-ce qu'on a récupéré le but? C'est ça. Je l'ai. Ok. Alors ce que je te suggère... Limite, on peut du coup... oui, vas-y. Enfin, c'est qu'on rentre à la maison, qu'on dépose tout le bazar qui nous est pas utile dans l'immédiat, et qu'on avance dans notre aventure. Oui, tout à fait. Yeah. Après, j'ai éventuellement un pantalon à faire. De l'équipement. Ah tiens, peut-être que moi aussi du coup. Ah je sais pas. Ah oui, parce qu'il me fallait des émeraudes justement pour faire mon équipement supplémentaire. Oh, l'équipement de niveau 5. C'est ça. Mais oui, alors par contre, ouais, il faut qu'on essaie d'explorer les mondes. Ce que je te suggère, c'est qu'on laisse les quêtes de côté et qu'on se concentre sur l'activation des portails et sur notre avancement dans les mondes, qu'on puisse aller quand même assez loin, histoire de voir si on peut trouver du fer. Et si on peut trouver du fer, ce sera peut-être dans un monde avec des ennemis beaucoup plus forts que nous. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est extraire le fer en vitesse, se barrer et améliorer notre bazar. Notre équipement. C'est ça. Nos ateliers. But de football... Alors est-ce que j'ai des bûches sur moi? J'en ai quelques-unes. D'abord, première étape. Déposer du bazar dans les coffres. C'est ça, mais les coffres ils sont déjà bien pleins. Hein. Bah je vais en faire d'autres justement. C'est pour ça que j'ai fait une pièce en bas. Bon, les carottes je vais les planter un peu n'importe où, hein, tu vas voir, on va planter ça. Ah, on peut pas faire une binette? Si. On va faire ça, ce sera... Bah, attends, ça plus le cuivre. Vite. Ça poussera plus mettre vite. Mettre le cuivre dans le fourneau. Alors, une binette. Une binette. Il nous faut une barre de cuivre. Ouais, mais attendu que j'en ai plein, mais il nous faut du charbon. J'ai du charbon. Je vais te passer du charbon. Tiens, je te passe le charbon. Merci. Ok. Bon, je vais quand même déposer des trucs dans les coffres en bas. Est-ce que j'ai de la place pour avoir des coffres? Ouais, je peux avoir un coffre. On va faire ça. Même si un coffre vide, il sera pas assez grand pour tout mettre. Hein. Alors... Oui. Tiens, il y avait déjà une barre de cuivre ici. Ouais. Il y a du charbon là-dedans. Alors, t'as fait un coffre pour les éléments décoratifs, c'est ça? Oui, il est en bas, mais il est peut-être déjà plein en fait. Oh, c'est ça le truc. Il nous faut du fer pour faire des coffres plus grands. Une fois qu'on aura des coffres plus grands... Déjà, ce sera un peu plus confortable.
Et ce sera mieux pour plein d'autres points en fait. Hein, parce que ah, mais t'as des trucs inutiles quand même dans le lot. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais t'as, on a plein de trucs en double quoi. Ah non, il y en a un qui est vide. Ouais, tu peux l'utiliser pour ce que tu veux. Ok, bah. De toute façon, il n'y a pas d'immense plan de rangement tout puissant non, et sacré. Bah, je vais mettre la relique verte dedans, tiens. Les potions aussi. Voilà, tu marches pas sur mes carottes, le chat. Voilà, t'es gentil, t'es mignon. Ok, donc ça c'est bon. J'ai quelques carottes, mais pas assez pour faire des potions de soins. Cela dit, il m'en reste hein, des potions de soins légères et c'est pas certain qu'on en ait extrêmement besoin à l'avenir. Ouais. Alors, les buissons que j'ai récupérés, enfin que j'ai planté tout à l'heure, n'ont pas encore repoussé. Bon, le coton, on va laisser ça de côté pour l'instant. Je vais juste voir. Pour mon équipement, alors, niveau 5. Donc, pour l'instant, je peux avoir de l'équipement de niveau 5. Il me faudrait du tissu en coton. Pas sûr que j'en ai assez. Oh là là, attention. Du coup, je sais pas si on a fait du tissu. Parce que du coton, ça, on en a plein. Mais est-ce qu'on a fait du tissu avec? Je suis pas certain. Je crois pas, non. J'ai pas l'impression. Je regarde dans les coffres, là. On peut prendre un gros tas de coton. Voilà, je vais faire autant de tissu que nécessaire. Enfin, que possible, surtout, en fait. Vraiment, pour libérer un maximum de place. Tu sais quoi, je vais prendre 100 unités de coton. Et je vais faire plein de tissus. Je vais essayer de faire une griffe d'extraction et une pioche. Enfin, même deux pioches, on pourrait faire. Oh, je pourrais faire carrément deux griffes d'extraction. Je t'ai pas fait de pioche tout à l'heure ? Non, c'était une foreuse et une hache. Ah, oui. Alors, est-ce qu'on a du... cuivre qui traîne. Ouais, j'ai une barre de cuivre ici. Ah mince, il y a deux. Ah, il y avait déjà des rubis flamboyants quelque part. Je devrais faire plus attention à ce qu'on a déjà. Donc. Du charbon. Est-ce qu'on a beaucoup de charbon? Je suis pas certain qu'on ait beaucoup de charbon. Si tu regardes dans le petit meuble... Dans le petit meuble, en fait. Ah, parfait, oui, je vois. Merci. Je vais pas tout prendre, quand même. Je vais diviser dans mon inventaire. Voilà, je vais en garder... une vingtaine, ça m'a l'air pas mal. Touk, touk. Pratique. Et pour le cuivre, ça doit être quelque part. On va en avoir pas mal, j'imagine, du cuivre. Il va me falloir de faire du coton aussi, tiens. Tout est éparpillé, c'est terrible. Oh, on a plein de coton. On a tellement de coton, ça déborde des coffres. Le pire, c'est que je ne sais même plus où est-ce que j'ai déjà cherché ce que je cherche. C'est tellement le bazar dans nos coffres. Des minerais de cuivre, voilà. Enfin, du... Wait. Tissu en lin, effectivement, on a déjà du tissu en lin, mais... Oh, d'accord, ça c'est pour diviser. D'accord, on a déjà du tissu en lin, effectivement. Oups. Non. Et ça, c'est le coffre vide. Ok. Oh, morceau de totem de verre. D'accord. Alors. Ah, d'accord. Donc, le morceau de totem permet d'ouvrir un portail spécial, c'est ça. Ah, d'accord. Il faut qu'on le garde sur nous, en fait. Bah, dans l'immédiat, je pense pas, parce que vu qu'il faut plusieurs morceaux, je suppose qu'il faut plusieurs morceaux. Pour vraiment ouvrir le portail qui mènera vers ce monstre terrible. Est-ce qu'on a plus de minerais de cuivre? Oui, j'en ai plein moi, si tu veux je peux le faire.
Parce que je regarde, je suis en train de fabriquer des éléments de... Enfin, des outils. Alors, je peux faire, pour l'instant, une griffe d'extraction et éventuellement une pioche. Ah bah ça y est, c'est bon, j'ai épuisé tout mon minerai là. Donc pour faire que des barres de cuivre. C'est ça. D'accord. Parfait. Il y en a deux qui sont prêtes. C'est exactement ce qu'il me faut pour faire deux. Ah! Dommage. Bon bah on a une binette en C'était quoi ce... plus. Ah. On a une binette en plus si besoin. D'accord. Mince, qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Hop, j'ai une griffe d'extraction pour l'instant. J'ai la deuxième. Tiens, je vais te passer ta griffe d'extraction. Je t'ai même pas demandé si t'en voulais une, mais je suppose que c'est pratique quand même. Bah Bon, j'en ai tout déjà ça. une. Ah Attendez. non oui non d'accord oui. Non, Ouais. une griffe Ah non mais d'extraction. merci, ouais. Et je vais donc tuer quelques arbres. Histoire de récupérer les bûches. Mais je suis bête, on a déjà plein de bûches dans Mais un il y a plein de coffre. bûches là dans le coffre où je suis là. Mais j'oublie tout le temps, excuse-moi. Bon, du coup, ceci étant fait, Je vais faire. pouf. Voilà. Est-ce que je suppose que. Non, c'est pas... Voilà, ça. Tac. Donc, une autre pioche. Voilà, parfait. Si je veux, je peux faire. Ah. Non, mais bon, je vais récupérer la pioche quand même. Ok. Alors, tac tac tac. Ah, encore des lags. Wow! Ouais, non, mais là, je crois que c'est moi qui bug là. Pas de soucis. Alors, j'ai C'est bon. juste la cape tissu en lin. Ah, j'ai qu'un morceau de tissu en lin, donc ça va pas suffire. Alors, je vais te passer ta pioche quand il n'y aura pas de lag. C'est bon. Ah. Je peux Bah plus. alors? Je peux plus Ça bug bouger. toujours quand je suis près du. Je suis près du feu de camp. Voilà. Est-ce que tu as reçu ta pioche? Comment ça, ma pioche? Quelle pioche? Je t'ai donné une pioche normalement. Attends. De façon très discrète, certes, mais je t'ai donné une pioche. Bah non, j'ai pas la pioche. Comment ça t'as pas la pioche? Ah bah elle est juste devant moi, d'accord. Bah qu'est-ce qui se passe? Je peux pas la ramasser? C'est bon, je l'ai, Ah je l'ai. peut-être qu'il fallait que je m'en éloigne pour pouvoir la ramasser, parce qu'il y a peut-être un système pour éviter qu'on ramasse les objets qu'on vient de lâcher. C'est ça, ouais, il doit y avoir un truc avec les collisions ou un truc du genre. Bon du coup, mon ensemble ne va pas forcément bah ensemble, parce que j'ai une cape violette avec une tenue blanche et bleue. C'est d'ailleurs elle est très jolie. J'ai peut-être pas la cape, mais au moins j'ai les Oh! bonus qui vont avec. Je me sens bien. Voilà, j'ai voilà. Oh ouais, c'est Alors du classe. coup, il faut quand même que Ça, je c'est dépose classe. des trucs dans des coffres, n'est-ce pas? Parce que j'ai beaucoup trop de choses sur moi, tu vois. Et si on doit repartir à l'aventure, il faut bien que je me débarrasse de certaines choses. Bon, moi, il me faut un peu d'ambre. Hop, hop, hop. De beaucoup de choses en fait, parce que dis donc, tout le bazar que j'ai là, c'est presque pas gérable. Donc toi qui ne me sers à rien, tu vas aller là-dedans. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir encore plus de bazar qu'en rentrant. J'essaie de garder l'essentiel, mais apparemment l'essentiel c'est trop. Alors je vais déposer le cuivre pas trop loin de la forge. Hop, donc dans le coffre juste. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis mauvais. Alors, tout ce qui est rubis et émeraude, on va pas emporter avec nous, je pense. Il n'y a pas forcément besoin de le faire. Ah, bigre. Ouais, ça se range pas tellement là. Bon. Ça se range un peu là. Parfait. Ok, bon écoute, j'ai plein de trucs dans mon inventaire, je ferai le tri un jour. Attends, moi j'ai juste un dernier truc à faire et après c'est bon.
J'en ai marre de tous ces coffres qui sont pleins. Non. Oh si, le tissu va aller avec ça, hop. Et le coton, c'est bon, c'est bien gentil. Mais au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Le tissu, voilà. Mince. Oh, désolé, je te l'ai chouré. Non, je voulais le mettre dans le coffre, sauf que j'ai raté le coffre et du coup, je l'ai lâché. Donc tu peux le déposer dans un coffre, il n'y a pas de souci. D'accord. Ah, quelle merveilleuse journée. N'est-il pas? Oui. Certes. D'ailleurs, j'ai pas vu de ballon de football dans nos affaires. Bien. Alors. Du coup, où est-ce qu'on pourrait aller pour chercher d'autres mondes? Voilà qui est curieux. Chapeau de rôdeur. Coup critique plus 30... Alors, mais l'armure de rôdeur est tellement pétée, quoi. Chance de coup critique plus 4%. Gantelet de rôdeur te donne plus 30 en santé, plus 50 de santé avec l'armure, plus 4% de dégâts avec le pantalon, plus un double saut. Double saut? Oh bah vas-y, je cours. Hein. Ah, attends. Allez, vas-y, file-moi ça. File-moi. Je te mais non, l'armure est... Je te suggère pour la prochaine émission que nous aillons au niveau 1.05, au monde 1.05, à Pic de Grenat, car il y a deux portails qu'on n'a pas encore activé et qui pourrait nous intéresser. On ne sait pas où ça peut aller, mais je suis prêt à parier que l'un d'eux permet d'aller dans le monde qui est juste au-dessus et l'autre dans le monde qui est juste à côté. Le monde qui est marqué par un crâne. Intéressant. Alors, attends. Parce qu'on n'a pas ouvert les portails, donc ça veut dire qu'on peut... Je vais faire quelques pierres, du coup, je vais faire quelques pierres bleues, histoire d'être prêt. Remarque, les éclats de pierres bleues, ils servent essentiellement à faire ça. Dès que j'aurai retrouvé... Attends, on a déjà des carrés qui sont prêts. Hein. Des pierres de portail? Ouais. Ah, ok. Attends, c'est pas celui-là. J'ai tellement galéré c'est à trouver celui-là le... C'est pas celui-là non plus. Non plus. Sinon, t'en mets pas, hein. Non plus. Bah attends, on a pas mal d'éclats, donc à la limite, on prend tous les éclats qu'on peut et on se casse. Oui, c'est bon, j'ai plein d'éclats, justement. Voilà, j'ai 17 pierres. Oh, j'en ai 28. Bon bah, écoute. Ah. Allez, je commence donc à me téléporter. Tu m'as dit... Le 1.05. Pic de Grenat. 1.05 qui est... Ok. Oh, attends. Je peux déplacer la caméra pendant que je me téléporte. Et j'ai une astuce qui s'est affichée pendant le chargement. Ah, tu l'as pas encore eu ça? Non. Ok. J'ai encore jamais eu d'astuce en bas pendant le chargement. C'est un tunnel magique. La magie. Mais pic de grenat ressemble beaucoup à source d'automne. Oui, effectivement. Il y a des carottes aussi. Tiens, ça c'est très utile. Je vais en récupérer quelques-unes. Il y a des champignons aussi. On va récupérer quelques champignons. Échantillonnons. Floraison des menthes. Mais t'avais une autre quête aussi à... Oui, mais ce qu'on veut, c'est chercher les portails, les trouver. Enfin, notre priorité pour l'instant, ce sont les... C'est trouver du les fer, portails. En fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est je suis pour qu'on en fasse notre priorité. Oui. Pas de problème. Ah oui, les griffes d'extraction, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très pratique. Alors. Extraire les émeraudes, c'est quand même super rapide. Je suis dans une tour là. Je sais pas si tu vois mon pseudo. Ouais, je te vois, ouais. Alors je sais pas si on prend notre temps pour explorer tout ça ou si on... Enfin, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement centrer notre recherche sur le fer. Et après, lorsqu'on aura on sera sûr d'améliorer l'équipement comme on voudra, on pourra effectivement explorer un ou deux donjons, j'imagine. C'est ça. Bah déjà, je sais qu'il n'y a pas de fer ici. Ouais, je m'en doutais un petit peu.
Mais peut-être que dans la tour là, il y aura déjà un portail qui nous permettra peut-être d'aller vers un autre monde où justement il y en a. C'est vrai qu'il y a parfois des portails dans les bâtiments, ouais. Enfin, surtout dans les souterrains, à mon avis, pour l'instant. Quoique, pas tant que ça, hein. Les portails généralement sont assez visibles. Ouais. Attends, il y a une structure en pierre ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une maison. Oh, punaise! Ça ressemble à une crypte. Il y a une pierre tombale ici. Je ne vais pas aller là-dedans. Oh là là, mais où est-ce que je suis tombé? J'ai combien de carottes? 7, ok. Il en faut pas mal quand même pour faire des potions avec les carottes. Alors je cherche les portails. Pour l'instant je vois pas de monstre. Je suis tombé dans un donjon. Ouais. Je pense que c'est inquiétant parce que il n'y a pas de monstres aux alentours. Qu'est-ce que... Ah si, il y a quand même... Oui, si, y a des... Pardon, il y a des grunts, il y a des larves. Oui, j'ai croisé des larves tout à l'heure en plus. Ouais, donc il y a des monstres quand même. Bon, pas très menaçants. Ils ont pas l'air bien dégourdis. Hein. Ils ont même l'air un peu bêtes. Arrêtez de me suivre, monsieur. Je fais le grand tour. Je sais pas si je vais trouver exactement ce que je cherche. Encore une étrange structure. Mmh. Il y a plein de donjons ici, j'ai l'impression. Oh, j'ai trouvé un autre chat. Ah, cool. Alors, coffre. Ouais, il y a plein de donjons. Alors, recette pour bloc de cristal vert, 5 parchemins de boule de feu. Oh. Bon, bah j'ai récupéré un chat tigré orange. C'est plutôt curieux. Attends. Essayez de l'équiper. Voilà. Je cherche les portails. Donc non, c'était pas dans la tour dans laquelle j'ai été. Alors pourtant, les portails sont généralement plutôt visibles. Oups, qu'est-ce que... Ouais, mais là, j'ai l'impression que... Ah non, ça c'est juste une geôle. J'ai l'impression, moi, qu'ils les ont mis quand même dans des caves, moi. Il y en a deux, c'est ça? Il y en a deux, ouais. Après, il y en a peut-être au sommet des tours. C'est ce que je viens de me dire. Parce que là, je me rends au sommet. Il y a quand même quelques tours assez hautes. Je vais en explorer une autre pour voir. Pour celle-là, il y a juste une chauve-souris. Du coup, est-ce que tu peux voir le toit des autres tours? Est-ce que tu peux voir les sommets de ces autres tours? Ah, il y en a plein en plus. Moi, j'ai rien qui y mène. Il y a des ennemis, mais je peux pas y aller. Enfin, est-ce que tu vois le sommet des tours aux alentours? Non. Attends. Parce qu'il y a peut-être moyen de repérer les portails. Mais alors c'est... Et quoique, aller chaud, en haut quoi. Des tours, c'est pas mal. Hein. Ah pas mal, non, bah il y avait un trou de toute façon, je pouvais pas voir. Alors hop. Allez, la bonne vieille technique avec les blocs de terre. Faire une tour. Donc toi t'es dans la deuxième. Ouais, ce qu'on pourrait appeler la deuxième, effectivement. Ok. Oh, il y a un coffre là-haut. Ah, il y a des coffres en haut des tours, d'accord. Ah bah moi j'ai pas été voir. Donc... Faut vraiment aller sur le toit pour les trouver. Hein. Ouais, d'accord. Donc effectivement, il y a des coffres. Parfois, il y a des ennemis. Et jusqu'à présent, aucun portail en vue. Il y a bien une maison là-bas. J'ai failli tomber. Il y a des ennemis là-bas. Oh, il y a des golems. Il y en a qui sont assez mastoc. Ou ça ressemble à des trolls ou des ogres. Je sais pas trop. Je vois pas de portail. J'essaie de voir. Enfin, en tout cas, le paysage est magnifique. Ouais. J'avoue que je suis plutôt perplexe. T'as exploré les souterrains, c'est ça? Ouais, bah là, je suis dans la dernière tour, en fait. Ah, parfait. Pour l'instant, j'ai rien vu de suspect.
tiens, j'ai la flemme. Heureusement qu'on a les potions de pâte de chat. Bah toi tu les as, mais moi je les ai pas. Oui. Ah voilà. J'ai pu sauter du haut de la tour sans mourir.